this good. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile, and do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Je n'arrive pas à croire que l'année soit finie. C'est passé si vite. Tu crois qu'on va pouvoir se voir pendant les grandes vacances? Mes parents sont toujours en colère, mais ils finiront par comprendre. J'espère que tu as raison. Moi aussi. Dado? Ce que je déteste à la fin de l'année, c'est de découvrir une des vieilles chaussettes de ton frère dans ton casier. Bah. Non, c'est de penser à tous les ragots croustillants qu'on va manquer. C'est pour ça que je me suis inscrite pour recevoir toutes les infos de Ragots Monstres. C'est quoi? L'autorité la plus compétente de la vie de Monster High. Dès qu'il se passe un truc, elle le met sur son blog. Et c'est qui? Personne ne le sait. Un mystère à la sauce secrète saupoudrée de cachetons. Oh, le couple Gilles Laguna arrivera-t-il à survivre tout l'été? Quel suspense! Allez, Manny, lâche-moi les baskets. Ok, je ruine d'abord tes baskets, ensuite je m'occupe de tes lunettes. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Hein? Qui est-ce que tu traites de bœuf? J'ai atterri dans la cour des maternelles ou quoi? Non. Alors pourquoi tu te comportes comme un gamin? Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle dirait si elle savait ce que tu fais? Oh, mais tu vas pas lui dire si... Oh, laisse cet élève tranquille. Merci, Frankie, je sais combien c'est dur quand on est nouveau, on a l'impression qu'on n'est pas à sa place. Ils m'ont trouvé de la place dans la poubelle, dans mon casier, ils m'ont mis dans plein endroit. Moi, c'est Jackson. Ravi de te connaître, Jackson. Il ne faut pas que mon père découvre que moi, le cercueil est cassé. Sinon, ça lui fera une chose de plus dont il se servira pour me comparer à ma grande sœur, Nefera. Heureusement qu'elle non plus n'est pas à la maison. La fois où elle a organisé sa fête, sur qui s'est retombée? Sur moi! Elle m'a tout mis sur le dos et depuis je n'ai pas le droit d'organiser de grosses fêtes chez moi quand mon père est pas là. Le père de Cléo est absent. Elle fait une fête chez elle ce soir. Il y a une fête chez Cléo ce soir. Toute l'école est au courant. Tu veux venir à la fête de Cléo avec moi? Oui, enfin je... si toi tu veux... Il n'y aura que des monstres, mais si on est ensemble, ça ira. D'accord. Génial. Enfin je... ouais, cool. Bon, on se voit là-bas. Wow. Attention. Comment on fait pour entrer? On fait comme ça. Oh non! Cléo va filer quand elle verra tous les dégâts. Oui, oui, c'est sûr. À ce propos, où est-elle partie? Chercher son nouveau téléphone. Comment elle a fait pour envoyer un texto à tout le monde? Oh, c'était pas elle, ça venait de Ragots Monstres. Oh, alors Cléo n'est au courant de rien? Donc on est entré par effraction. Oh non! Vite, il faut faire sortir tout le monde avant que... Oh. C'est... pas... vrai! Cléo, on peut tout expliquer. Vous avez organisé une fête pour moi? Oh, c'est trop cool, merci les filles!